Finalement, l'armée d'Haïti reçoit un ordre pour aider la police là rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. Franchement, ça c'est une bonne nouvelle liée pour la République. L'armée d'Haïti joue un ordre pour mettre yo en condition D. En plus, mon a posé question, qui ça qui condition D a? Rete là, on prend ba nou détail parce que l'armée a prend le mettre la terre et la difficile en pile. Pour Itad, Bri, Simo, Idmo, pour Pawe, l'armée d'Haïti bon côté. Rete là, m'gaba nous, détail avec précision. Premier ministre Gary Conil fait gros déclaration sur insécurité pays. Il fait qu'on est, pays d'Haïti c'est pour nous. C'est pas seulement rete tan l'autre pays qui a vu résoudre le problème pour nous. Pendant la rete tan, nous même en profiter, commencer avec l'armée. Avec la police, parce que nous y faisons cela, faut qu'ils travaillent, faut qu'ils commencent, au lieu de nous attendre, pour nous ne pas attendre, on commence avec l'armée d'Haïti, avec la police. Entre temps, qui nous connaît, administration Biden non, lui autorisé 109 millions de dollars pour force Kenya venir dans le pays d'Haïti pour aider la police, gourmer avec gangyo. C'est l'argent qu'a décaissé. C'est l'argent qui a été là, tandis que le pays Kenya a pour l'école de bord, la l'école, jusqu'à présent, l'hypoko qui a entré dans le pays d'Haïti. Pas oublier, nous sommes pour 1659. Je vous demande pour like, abonner, peser sous cloche notification, retirer le sous personnage sur tout, pour les narrons vidéo, pour ne pas rater. Je vous dis ça moi-même. Je ne vais pas faire nouvelle, c'est nouvelle qui me baille. Bon, la pays d'Haïti, les jeunes lord pour le mettre en condition D. Les jeunes lord pour le mettre pied à terre, pour le goumer, pour la réponse avec action bandio à commettre là. Et gros nouvelle nous là. Ça me dit là est vrai. Et pas bah jouer m'a parlé là. Ça me dit confirmer. Hein? Les confirmer ça tout ça nous pas entendre là. C'est des choses me confirmer et me vérifier. Tendez non. L'entendez yon force yon mettel en condition D. Si toutefois ou intelligent ou pas chercher connait qui ça qui condition D. Hein? La Haïti depuis les jeunes Moïse te créé là, il te dit oui, c'est la mi pour banane. Oh oui, la messe là, il va gagner matériel, il va pas goumer. Et qu'on est pesapé, faut que monde qui commence, hein, pour qu'a fini. Si Jovel Moïse va commencer là, il te connaît qu'est-ce que la mère, fin casser la mère, Jovel décider avec Tigre ni jeune là, il va lui tomber le camper. En attendant, la mère, la vient jeune tout équipement pour le jam. Et bien, la mère qui c'est FADH, lui en condition D. Tandis non. Mon ka pose question, qui sa kreye le condition D? Ma rappelle nous, le on mette yon, m'de ka di, yon force armée en condition D, ça vle di ki sa? Li ve di, c'est référé avec généralement nan niveau, m'de ka di, avec yon niveau alerte ou de préparation spécifique. Condition D a veut dire qui ça? Condition D li indique très souvent dans yon planification tout ça pour le mettre le prêt pour ba réponse rapidement avec yon menace ou yon situation d'urgence. C'est sacré les conditions D. Ça li ka inclure dans mobilisation troupe là pour le mettre sous place avec équipement expert et ensuite augmentation de ces mesures de sécurité. Vous comprenez ou vous comprenez? L'armée de pral mettre en condition de pour répondre avec Zach banditisio hein à commettre là. De pour être à côté la facile pour l'armée d'Haïti là tout. Le pape là, comme ça nous, mais la là, pour le contre carré bandit,
et pas dans cap grien hein et pas dans cap grien kounela on moun ka dim ki jan on moun ka utiliser condition dea yon moun ka i utiliser condition dea si toutefois pays kontoye a li en difficulté force ki la yo passe l'ordre yo mette l en condition d de samedia et pas jouet le m'a fait recherche qui l'est yon moun ka utiliser le condition condition d en force de l'ordre fonds mais gata gen pile article écrit là gen pile article mwen les nouvelles gata écrit article li sous affaire condition d la médaille d'Haïti prend bon si nta fon jete coup d'œil nan article moi sous les nouvelles moi la dit les FADH en condition d réaction de l'association militaire d'Haïti à la suite de la publication de la circulaire du ministre de la défense il dit dans laquelle le ministre ordonne le général de l'armée d'Haïti de mettre en condition de l'armée. L'association militaire d'Haïti réagit en soulignant que ce n'est pas les prérogatives du ministre de la Défense de mettre les troupes en D. Les nouvelles publiées, l'intégralité de la note de l'association militaire, est-ce qu'ils comprennent ou bien ne pas comprennent? Ça arrive, nous difficile pour nous comprendre. Hein? Ah oui? Et pas tout le monde comprendre, leur dit, oh oui, et l'armée a mis en condition D. L'armée a obligé de mettre en condition D. C'est parce que nous prenons trois blocs dans le Kenya. Nous avons l'armée tout. D'ailleurs, 250 000 soldats ou bien 1000 policiers qui sont là pour résoudre l'insécurité avec les gangs. Nous avons plus que ça. Nous avons bataille, nous avons Utag, nous avons Bri, nous avons Boy, nous avons Simo, nous avons Idmo, nous avons Katim, nous avons l'armée d'Haïti. Nous avons avancé avec eux. Hein? Jean-Marc Berthier Antoine, qui est ministre de la Défense, lui déclare clairement. Les forces d'armée d'Haïti doivent incessamment être en condition D. Nous jouons lui, Masle Daniel, qui est directeur général de la défense, devra transmettre cet ordre avec recommandement l'armée d'Haïti à poursuite nécessaire. Et pas de Gabriel, hein? Voilà, il l'a mal gardé. Est-ce que bandi ge green? Est-ce que bandi yo ka camper? Parce que pour premier ministre Garry Conille li vle rétablir sécurité dans pays a, li di li même, li pa gen ça la kay li. Chita tann, mete espoir sou moun. Mete espoir, oui, il konnen gen paysan mi ki promet nou. Ta pa de nou rétablir, mais nous même, nous pa ka tann nèg sa yo a vini là, hein, nous gen force, nous gen la médaille, nous gen la police, on continue passer pays a. On commence avec eux parce que pays c'est pour nous. On va inviter autant de déclarations PM non côté il fait gros dégâts sur ça sur insécurité là pendant qu'il fait une visite dans Caraïbe, il fait qu'on est faut que nous résoudre sécurité pays là pour élection qu'a organisé et lui-même il va rien ça la Kaili chita tande mettez espoir sur l'autre monde Haïti c'est pour nous lier c'est nous pour commencer hein et nous allons parler créole comprendre il va rien capacité ça pour la paix de retenir. Pour nous attendre, on focus sur pays nous. On investit dans l'armée, dans la police pour nous récupérer le territoire qui perdit yo. Pour nous une zone yo, moun sa ki kite kay yo, pour nous récupérer zone sa yo pour nous ka retourner la kay yo. Ça c'est mission PM nan. Et PM nan il fait son participer dans gradiation 455 policiers qui fait unité et la danse ça me tente de gagner 50 femmes c'est trois unités gradiées Boyd Simo
Idmo dans de faire émission sur hier nous te wè émission an. Nous te wè Jean Rotaté mais go fresh yo y a chanté yo gen belle voix moi PM nom ta tout passé au Lord opération Villa de Dieu opération Badelma opération base Kasamaozo opération nan base Vite l'homme en attendant nous l'on fin récupérer l'ouest là n'a fait opération pour leur ville provinciale. Et ça m'a fait en tant que premier ministre. Comme moi là, yo gitan met la main en position D, m'a tonne. Parce que nan moi ka vini yo là, a gen bagay nan yo bandi yo. Clair. Bon, entre-temps, pendant n'a parlé là de force Kenya, administration Biden nan. Ouais, administration Biden nan li autorisé 109 millions de dollars américains hein, pour troupes Kenya Kavini dans pays d'Haïti. Noël, ça c'est article écrit. L'administration Biden autorise 109 millions de dollars pour la force kenyane en Haïti. Il fait qu'on est après des mois de blocage par législateur républicain concernant le financement d'une mission de sécurité armée en Haïti, le secrétaire d'État Anthony Blinken, nous connaissons ça très bien, Anthony Blinken a ordonné au département d'État de procéder au financement de 109 millions de dollars pour aider force spéciale kenyane qui s'est déployée en Haïti pour aider la police nationale du pays à combattre les gangs armés, selon un article qui est écrit par Miami Herald hier mardi qui c'est 18 juin 2024. Pourquoi par contre ça me dit là? Mbali en créole. Après plusieurs mois blocage par groupe législateur républicain qui vivent dans pays États-Unis, nous connaissons ça, yo opposant. Vous savez qu'on est et l'argent ça qui était supposé débloquer pour force sécurité qui est pour déployer dans le pays d'Haïti. Le secrétaire d'État américain, qui c'est Anthony Blinken, li bay ou bien li bay l'ordre pour le département d'État procéder financement pour le bay 109 millions de dollars avec force là pour aider Haïti, pour aider Haïti dans pour aider policiers, on dit policiers plutôt, pas dit policiers haïtiens yo combattre gang yo Haïti. Article ça obtenu sous Miami Herald. La décision de Blinken connue sous le nom de option nucléaire et blocage républicain des fonds ça yo. Il fait qu'on ait des plusieurs contestations juridiques à Nairobi. Ça passe dans le pays Kenya. Parce qu'on connaît négo fait rondement. Il fait qu'on ait et force pas rentrer comme ça dans pays d'Haïti. Parce que la garde ça qui passe à Haïti là pas jouer. C'est une raison contestation juridique ou bien judiciaire à Nairobi. C'est lui qui vient retarder déploiement MIF et force multinationale ça entre dans pays d'Haïti parce qu'il connaît les négo faire un demande là pas vouloir faut ça rentrer comme ça. Il fait qu'on est avec l'autorisation de Blinken hein, il y a non seulement de l'argent pour acheter l'équipement pour équipe là qui a évalué sécurité Kenya jugé le nécessaire avant yo entrer avant force à entrer par au prince mais faut que yo getan voyez également yo signal fort avec l'autre nation yo c'est ça qu'a dit là
Ça veut dire là, les gens voulaient un autre message, un autre signal fort avec l'autre nation. Il a pour aider. En avançant avec l'obligation des ressources et la sécurité indique également avec l'autre pays yo, qui est nécessaire et qui est très sérieux dans l'engagement qui apprend. Dans l'engagement à partir pour inciter l'autre pays à engager tout dans la propre contribution pour la mission qui vient dans le pays d'Haïti. Il a déclaré que gen route fonctionnaire dans département d'état dans Miami Herald, yo di gen l'autre pays et m kwè gen l'autre pays là qui ta vle aider. Donc par exemple gen 6 l'autre pays dans nation, par exemple gen Jamaïque, gen Bénin et qui informé avec Nations Unies pour faire pour voyer policiers pa yo nan cadre mission ça. Cependant yo même dit et pays yo yo gen pour fourni équipement avec l'argent tout pour mettre en disponibilité force là et de façon pour mission gérée par ONU. Et ensuite c'est aussi regardé dans l'article là, le fait qu'on est, cela a laissé les États-Unis qui ont promis 300 millions de dollars pour supporter la majeure partie du fardeau. Cependant, alors que le département de la défense n'a eu aucun problème de sécuriser ces 200 millions de dollars financement, le département d'État a rencontré des obstacles au Congrès après avoir demandé 50 millions de dollars sur les 100 millions promis. Il va jouer, non? Ça c'est pirate qui a bail là. Toujours dans le même article là, il veut qu'on ait au Capitole les assistants des deux législateurs républicains, le représentant Michael MC Clo du Texas, le sénateur Jim Rich de l'Edaho ont promis de, en question le plan, tandis que les patrons ont refusé de lever le blocage sur le demande du département d'État. C'est Pierre Kabay, sénateur Abay Pierre. Ils refusé de débloquer demande de l'État d'État de faire. Les mois et le mois passé là, législateur et également yo critiqué président Joe Biden pour être lui autorisé un paquet aide militaire qui n'en somme d'argent 60 millions de dollars utilisé pour qu'on appelle l'autorité de prélèvement présidentiel pour obtenir des fusils, des munitions pour la police d'Haïti et pour aider au déploiement de la force dirigée par le Kenya. Malgré tout ça, entendez là, malgré tout effort qui a fait, espoir pour déploiement force là, dans le mois dernier là, Li a été anéanti après qu'une équipe d'évaluation Kenya était arrivée dans le pays d'Haïti, dans la base à côté de là, yoé base là, le évalué préparation base côté y a bien pour recevoir force là, il déclaré qu'il n'avait pas assez de véhicules blindés. Ouais, le vin yo entre vin garder base là, yo dit li pa gen assez machine blindée. Pa gen assez machine blindée sous place pour troupe yo. Et ensuite, pa gen assez de radio communication. Et ensuite, l'équipe là fait qu'on est, yo souligner
bah ça yo pa gen hélicoptère tout pour évacuer les blessés yo. C'est une raison qui fait que force ça anéanti gen un retard qui fait pour faire ça rentrer dans pays d'Haïti. Mais c'est l'argent qui a décaissé. Biden administration li autorisé 109 millions de dollars pour force Kenya joindre tout ça que li gen besoin pour entrer dans pays d'Haïti pour venir aider policiers haïtiens yo combattre gang yo mettre gang dans petit soulier yo démanteler gang craser gang touyer gang malé rendez-vous mon prochain émission m'ka vinn ton l'autre dossier la chaîne ça c'est production 69 m'dé pour like abonner peser sous cloche notification retirer sous message mais tout pour les n'avoir vidéo pour pas rater tout monde qui vit ici qui gagne moins pour petit 10 l'année qui pas légal dès pour marier avec un citoyen américain ou gen possibilité là rapide pour gérer bagay ou là ma vinn sous information sans détail peut-être tout à l'heure ou bien demain si Dieu veut pour me dire nous qui ça va aller directement parce que gen fou là et tout cap fait dans quelques informations va partager sur réseau OK pour nous garder et yo prévoit pour légaliser 500 000 moun qui vivent dans pays yon de manière irrégulière ma vinn sous ça ça veut dire si ça m'a regardé là pas ka gen un chef police qui a capacité pour planifier une opération, eh bien, en vérité, pays d'Haïti, moi-même, m'a abandonné et ne pas jamais me côté comme ça. OK? So, moi, me lave même. Si m'a regardé, ça m'a regardé sur l'écran là seulement. Alors que, ce n'est pas ça seulement le gain, non? M'dou là, t'es gon activité. Policier, ça a été présent. Et tout nèg m'a regardé là, y'a gain bagay dans main, monsieur. Comme tant de dans graduation ça au France LB la pire doit pas mais forme dou selon information gagné dès demain Ramon Amil ta doué chef bien que gagne pile tractation qu'a fait bon gagne parole qu'a dit m'tant de dit gagne nèg ka tout ka bay l'argent moi gon nèg là qui dénoncer nèg dans Singapour ouais parti cause qu'a parlé à terre là mais gagne toute disposition qui prend pour que dès demain là au moins ta connaisse que bon nouveau directeur général si Ramon a plat ou bien si Ramon pas plat parce que faut me rappeler monde qu'a tant de tout. Ce n'est pas le Premier ministre Garry Conille qui supposé nommer Ramon Amil. Même si M. Tapa arrête un Premier ministre président, mais il n'est pas là. C'est seulement Ariel Henry qui est Premier ministre président. Parce qu'il était seul dans le canton. Actuellement, il y a un Premier ministre plus conseil présidentiel. Ça veut dire que M. Paca prend décision sans l'aval des conseillers présidents. Ça veut dire que c'est conseil présidentiel là qui capable de choisir un directeur général et puis lui soumettre lui by Premier ministre parce que c'est d'ailleurs direction générale yo c'est justement c'est président qui gère ça bon puisque on conseil présidentiel ça dit yo a joui de fonction présidence c'est normal ça dit yo doit faire de concert le Premier ministre va quand décider lui même dit m'pa veut tel chef police mais ça me veut ça dit jusqu'à présent majorité conseil au météo d'accord pour c'est Ramon Normil qui vient directeur général police là. C'est ça jusqu'à présent Kembe. OK? Jusqu'à présent c'est ça va aller. Parce que dès demain n'a connait parce que toute disposition déjà prend, rencontre qui était doit faite déjà faite. Donc planification faite, cabinet étape monté pour que dès demain pays a ta supposé connait un nouveau directeur général. Entre-temps Ramon Normil poko DG juste moment on a parlé là. Mais si monsieur quitte Washington pour rentrer à Haïti, c'est parce que il gen garantie. Cependant, il y a une tractation qu'a fait jusqu'à présent parce que il y a des monde qui pas vle ouais Ramon Normil et surtout en série de secteur politique. Bon, son pays difficile papa. Difficile. Eh bien, attendez non. Maintenant, m'tendez Premier ministre Garry Conille qui parlait jeudi à. Monsieur toujours parlé, yen. Et ça te fait me dire, monsieur, bon montrer l'on parole. Gagné ancien sénateur Andris Richer. Monsieur don parole. Monsieur doué Haïti. Ça n'a pas gardé devant là. Gagné deux qualités en homme doué gagné là-dedans, sous les dirigeants. Fort sage et fort malandrin en même temps. Le matin de Garry Conille, je ne comprends pas monsieur du tout. Monsieur, tant qu'on est là, je ne peux pas comprendre Garry. Qui te rappelle, monsieur, ça? Côté sénateur Richer, côté monsieur.
Pays ça m'a vécu combien. Attendez. Dans l'île, c'est deux qualités pour gagner. Clé. Pas là nous. Faut sage, faut malandré. Hein? Parce que des fois, faut frapper, mais sous nez. Non. Parce que soit tu viens pour un petit pause, mais t'es tissu. Oui. Pour jouer, parce que c'est un pays quand même. Est-ce qu'on peut être sage et malandré en bas? Mais bon, pas qu'on est, Wendel. Par exemple, là, ouais, par exemple, là, je suis très agréable. Mais si je suis dehors, on est sur le petit boulot qui me dégage, mais là, ma prendre loin d'eux. Ça, dis-moi. C'est quoi ça pour vous faire? Clé. Eh bien, comme ça pour vous faire. Vous comprenez ça? Ça connaît qu'il y a un tunnel pour lui, qu'il y a un maison. Pays ça, ma vie, c'est pour la donner, c'est deux qualités pour gagner. Faut sage, faut malandré. Parce que des fois, faut frapper, mais sous nez, cap à l'air. Ah non! Parce que soit tu viens pour un petit pause, mettez-tu sous ta nous sous. Pour jouer, parce que c'est un pays quand même. Mais est-ce qu'on peut être sage et malandré en même les temps? Deux, c'est les deux, les deux. Par exemple, là, ouais, par exemple, là, je suis très sage avec vous. Mais si je suis dehors, on est sur le petit boulot qui me dégage, mais là, ma prendre loin d'eux. C'est quoi ça pour vous faire? Pas de problème. Donc, c'est quoi ça pour vous faire? Moi, je m'attends de Gary Conny. Bon, si vous avez dit que vous avez de l'autrice, ok, pas de problème. Mais dans le discours, monsieur Jodia, dans l'approche de Jodia, monsieur paraît clair. Je dis que, justement, ça fait bandit besoin comme si ferraille prend tout pays à taille banda. Pas un bail comme ça. Bon, moi, LB, monsieur font discours tout, monsieur prononce son discours comme si pour le montrer que. Monsieur félicite la police qui quand même a bataille contre gang, pas un problème. Moi, on est quitté fâché parce que la grande vidéo pour montrer comment on a saccagé dans le cas de France Albert. A dit monsieur, pas même qu'à sécuriser dans le cas de vous comprenez? Moi, on est qui fâché pour ça. Et monsieur vient jouer mon papa pour LB. Son pays difficile, ou pas payer ça. T'as le wap 16, ou en est gâteau là, Ariel depuis bon, bah ou Ariel, oui. Eh bien, son pays comme ça. Eh bien, attendez, nous allons regarder si nous avons fait un extrait dans l'intervention de Gary Conny. Elle toujours parlé, bah, et puis micro à part, bon, son cadre désagréable. Mesdames et messieurs les agents de la police nationale, personnel non intégré à la hiérarchie, son même, non? Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, en vos titres, rang et qualité. Aujourd'hui, c'est un gros jour pour nous. Le jour côté la levée des pluies pour regarder le soleil. Le jour côté la commencer à garder l'avenir de l'autre gens. Si nous commençons ce discours comme ça, c'est parce que là où est 455 jeunes femmes, jeunes garçons, franchis mes bruits, c'est libéré. Surtout dans un moment difficile, ça, nous devons non seulement battre un gros bravo, mais tout prend ça comme message, l'espoir que le pays a battu. Que le pays a un monde là-dedans qui choisit une vocation pour aider à servir l'autre monde qui s'est compatriote. N'a même pas un gros bravo. Ça m'a pris un dimanche tout. 455 messieurs et dames, ça n'a pas beaucoup de choses. Chaque gradin, une soeur, une maman, un frère, un petit, qui pourra vivre même stress avec eux, qui pourra le battre avec eux, qui pourra faire du sommeil avec eux, qui pourra le retenir, qui va continuer à voter demain matin. Nous d'ailleurs, même nous battons. Gros bravo, famille, madame, petit, que nous connaissons avec eux et que nous apprécions ça. Policiers et policières de cette nouvelle promotion. Vous devez savoir que vous allez mettre chaque jour votre vie en jeu pour protéger les libertés et les droits de nos citoyens. Votre sacrifice est le fondement de notre société. Et pour cela, nous vous demandons une gratitude et notre respect les plus profonds. La voie que vous avez choisie n'est pas facile. Mais elle est noble et essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui
ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Mm-hmm. Chers invités, ouais. Au cours des dernières années, notre peuple a connu, a beaucoup souffert de l'insécurité. En pile. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de deux tiers des infrastructures sanitaires. J'ai mis bien mettre là. Pour pas gagner bonne nouvelle. Le commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité. Claire. De reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale. D'accord avec ça. Et parler, j'en parle bas, même je parle beaucoup. Et l'intégration de toutes les forces de sécurité. La mise en place de centres de coordination opérationnelle et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaire. Pour l'accomplissement de votre tâche. Pas de problème, n'a pas suivi. C'est rediscours ça. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours, toujours d'actualité. Ok. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Claire. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre de policiers est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen ici à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes. Et nous sommes déterminés à y remédier. Ah, bon bagay. M'aime un petit mot ça. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action. À la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape crucial de notre renforcement institutionnel. Claire. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence. Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Pas un problème. Merci, 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 merci. Nous t'en disons l'essentiel là. Nous serrons ti parti ça. Et nous serrons pour nous faire TikTok avec lui. Ok? Pas un problème. François Albé, monsieur parle causé tout papa. Ah, monsieur parle. C'est chef lui, elle parle. Monsieur dit parole, monsieur parle, monsieur dit. Jusqu'à présent, il est chef. Monsieur a fait, jouer là, a fait stratégie. Pour à la dernière minute, si tu as un coup de volant, fait sous lui. Mais justement, eh bien, coup de volant semblait que il pourrait qu'à faire sous LB. C'est pour ça qu'on vivre là. Bon, si, bon, même si Gary t'a fait vie rêve, c'est pas à quel bien la pensée. M'a quoi ça du tout. Et comme gouvernement, tout ministre fin installé. Arrêté à pour le sorti, il faut que les signatures tout ministre là-dedans. Cabinet a monté. Il y a un rencontre qui a fait là, de temps en temps, dans quelques hôtels en capitale là.
moins sûr que à partir de demain, dès 10h-11h, capable d'une nouvelle qui sortit. Donc n'attend, nous pas pressé n'attend, mais jusqu'à présent c'est Franz Elbé qui est encore directeur général police là. Monsieur parlé? Ah bon, bon fait entendre un petit cal là, bah n'a pas parlé Elbé non. Parce que élite chef là, il parle pas. 455 nouveaux gradués là, unité spécialisée, gon zami là, policier qui dit m'tété, monsieur qui était là yo, alors Richard dit gon ça. Bien Richard Midi, il dit dans Radio Vision 2000 dans époque Gary Conny te gain dans l'année 2000-2002 et Richard là monsieur oh monsieur comment c'est qu'il a qu'a rentré sur les papa il était en rubrique médicale c'est comme ça même monsieur toujours parler rien les monsieur a parlé même sur bon côté l'homme a le temps de pour tenter ça l'a dit Gary Conny mes garçons sur mon cher dans pays ni là son pays mes garçons sur vraiment et jam et gon policier dit c'est Utag soit Udmo et puis Boyd BLVV qui était là dans unité ça pas un problème n'attend yo et l'action donc Gary Conny c'est pas français on besoin c'est action proposée côté Franz Elbé il parle au fond d'entendre la police nationale d'Haïti et membre du commandement de la PNH. Mesdames, messieurs les représentants des organismes important non seulement pour ces nouveaux agents mais aussi pour l'avenir de notre pays en matière de sécurité et de justice. Je parle avec désolation. Votre présence ici témoigne encore une fois de votre engagement inébranlable et indéfectible au développement de cette institution républicaine stratégique de notre système de sécurité publique, voire nationale. En ces moments difficiles que vit notre pays, notre cher Haïti, le rôle et la responsabilité de nos vaillants policiers et policières qui, aux côtés des membres du haut commandement, pendant plus de 2 mois et en dépit des limites en termes de ressources humaines, matérielles, financières, sont restés debout pour défendre du jour comme de nuit nos concitoyens et tous ceux qui résident notre territoire ainsi que l'autre, contre les assauts criminels répétés so des mêmes armes. Certains de ces héros ont payé leur prix, ont payé leur vie. De ce climat de paix fragile que nous jouissons. Pas les créoles même. Aussi, pour honorer leur mémoire, je prie à l'assistance de se mettre debout pour observer quelques. Portant institution d'une indemnité spéciale de risque au bénéfice des agents engagés dans les opérations spéciales de police, pour lequel mon commandement et moi avons tant lutté afin de garantir de meilleures conditions de travail pour nos policiers. Je suis convaincu que beaucoup reste à faire pour valoriser cette noble profession dont les derniers événements ont confirmé aux yeux de tous et de toutes sa plus grande importance pour la survie et l'épanouissement du corps social. C'est en ce sens que mon commandement a soumis au gouvernement antérieur le projet de décret sur le reclassement et le plan de retraite spécial du personnel policier. Donc, quelques éléments ont été pris en compte dans l'arrêté du 23 avril 2024, modifiant ainsi le statut et le plan de carrière de la police nationale d'Haïti. Cette démarche de valorisation de la profession policière exige également, à côté des mesures de gestion et de bien-être du personnel policier, des efforts visant à le renforcement des capacités managériales et professionnelles passant par la certification des fonctionnaires de police. Merci Franz Elbé, parce que trop français, parce que ça crivait la Béatrice Delis. Dans le moment où il est là, je pense que c'est bon créole haïtien pour ne parler avec le peuple là. Des fois, on a parlé de français, ça a une garantie, on ne parle pas avec le peuple là. On a parlé justement pour des étrangers qui sont mis en nous. De quoi c'est la langue ça a parlé la langue colon, c'est quelques ambassadeurs qui là peut-être bah ça au pays étranger ou bien quelques visiteurs. Eh bien c'est ça, oui. Et puis tomber vite des français à terre. Son façon pour moun sa ou ka comprendre, mais pas pour peuple là non. Yo pas parler pour peuple là non, pas. C'est juste pour moun qui vit dans la cérémonie en ka comprendre ça a parler.